Tante Ozo benga papa na biso Jean-Félix. To beteli Yesu masi ya maboko makasi. Nous allons lire dans Luc chapitre 17 verset 5. Nous allons lire en même temps dans Romains chapitre 10 verset 17. Alléluia. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Nous venons de lire des lectures. La première, c'est les disciples qui ont dit dans Luc chapitre 17 verset 5, les disciples ont dit au Seigneur, ils ont dit à notre Seigneur en disant, augmente notre foi. Et dans Romains, la Bible nous dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Les disciples avaient un désir. Parce que ce sont des gens qui étaient avec Jésus, qui ont vécu avec lui. Ils ont vu l'action que Jésus accomplissait dans la vie. Et Jésus avait l'habitude à dire aux disciples, si vous avez la foi, vous aussi vous êtes capable de faire même au-delà de ce que je suis en train de réaliser. Et après avoir rencontré une parabole ou une histoire d'une dame, d'une veuve, elle était veuve et elle voulait obtenir justice auprès d'un homme qui était, cet homme qui était quelqu'un qui était très libre. Christ les a racontés cette histoire. Et la femme était persévérante auprès de ces messieurs. Et la Bible dit, à la fin, le messier a fini à rendre justice à cette veuve. Quand nous parlons de veuve, ça dit, elle n'avait personne qui pouvait l'aider ou la soutenir. Comme on dit, quelqu'un d'en haut qui pouvait être parachuté pour elle, pour changer sa situation. Et lorsqu'ils ont entendu cette parabole, ils ont senti qu'ils avaient un problème par rapport à leur foi. Ils ont dit au Seigneur, Maître, augmente-nous la foi. Et dans Romains, la Bible nous dit, la foi vient de ce qu'on entend. Cela veut dire, la parole que tu attends peut augmenter aussi ta foi. La parole de Christ est là. Dieu nous a donné cette parole. Dieu a mis cette parole à notre disposition pour nous permettre aussi que notre foi puisse augmenter. Et lorsque nous parlons de la foi c'est quelque chose qui croise en nous. La foi c'est comme si quelqu'un qui vient de voir le jour, après des mois, après des années, il commence à croître. Et aussi ils ont compris en disant, Maître, augmente-nous la foi. Peuple de Dieu, Église de Dieu, Dieu veut te parler, Dieu veut nous parler pour que notre foi, ta foi soit augmentée aussi. Dieu veut nous parler à travers sa parole pour enlever certaines choses qui peuvent bloquer ta foi, qui peuvent empêcher la foi d'opérer, qui peuvent empêcher ta foi d'agir. Or, lorsque nous parlons de la foi, par définition, dans Hébreux chapitre 11, verset 1er. Or la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Amen. Là, c'est comme si Dieu nous donne la définition de la foi. Or la foi, c'est une démonstration ou une expérience des choses qu'on espère, celles qu'on ne voit pas. On ne peut pas mettre la foi sur quelque chose que tu vois déjà. Mais la foi, on peut l'appliquer sur des choses qu'on ne voit pas. Des choses qu'on espère. On doit avoir cela. Cela nécessite la foi pour que cela arrive ou cela se réalise. Alléluia. Laisse-moi te dire, je suis un homme de foi. Un homme de foi doit engendrer des enfants de la foi. Or, lorsque nous parlons de la foi aujourd'hui, Dieu veut nous parler de quelque chose. Parce que la foi peut avoir aussi des obstacles. Notre thème d'aujourd'hui s'intitule La foi incrédule. La foi incrédule.
Alors c'est une question, comment on peut parler de la foi et parler en même temps de l'incrédulité? Comment on peut dire de la foi et en même temps revenir encore sur l'incrédulité? La foi incrédule. J'aimerais expliquer ceci aux enfants de Dieu. Je commence par l'Ancien Testament. La Bible nous apprend qu'au commencement, Dieu a choisi un homme pour créer une nation. Et cet homme était un homme de foi. Abraham était un homme de foi. Dieu lui a tracé un chemin, comme nous venons de prendre la fois dernière. Un chemin qui était déjà tracé devant sa vie. Ils avaient des obstacles, des réalités, mais il était un homme de foi. Après cela, Dieu a créé une nation. Et après cette nation, dans cette nation, comme la Bible dit, errez dans les nations dont l'Éternel est Dieu. L'Éternel, Dieu il était le Dieu d'Israël. L'Éternel, Dieu d'Israël. Il parlait à Israël. Donc cela veut dire, Israël était la nation de Dieu. Et si nous revenons maintenant à des promesses, Israël avait reçu des promesses de la part de l'Éternel. Que dans des jours à venir, j'enverrai un sauveur. Dans des jours à venir, j'enverrai un Messie. Ce sont des gens qui connaissaient la parole. Ce sont des gens qui maîtrisaient la parole de Dieu. Parce que Dieu parlait déjà à leur père. Dieu enseignait déjà Israël des années et des années. Israël, c'était un peuple qui connaissait Dieu. Mais si nous voulons comprendre la parole de Dieu, lorsque Jésus était venu, avant sa venue, Dieu a donné aussi une promesse. Ils auront des yeux pour voir, mais ils ne verront rien. Les oreilles pour entendre, mais ils n'entendront rien. Les cœurs pour saisir, ils ne saisiront rien. C'est-à-dire la foi, quelqu'un peut avoir la foi, peut connaître la parole de Dieu, connaître l'expression de la parole de Dieu, mais plutôt peut avoir, peut être aussi quelque part incrédule. Incrédule, cela veut dire quoi? Il croit à certaines choses, mais à un certain niveau, bien qu'il croit en Dieu, il met aussi des limites. Alléluia! Il croit que certaines choses, ça peut se faire. Mais lorsque vous parlez aussi de certaines dimensions, il dit ça, ça ne peut pas se réaliser. Peuple de Dieu, si nous sommes ici dans ce lieu, parce que c'est l'Éternel qui t'a appelé, laisse-moi te dire, le Dieu qui t'a amené ici, il est capable d'appeler en existence ce qui n'existe pas. Lorsqu'il a dit que la lumière soit, la Bible me dit, et la lumière fit. Cela veut dire, la foi incrédule peut t'empêcher de vivre des grandes choses que l'Éternel a mis devant toi. Ta foi ne peut pas être, tu ne peux pas en même temps voir la foi et en même temps être crédible. Beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup d'attitudes d'un enfant de Dieu, pour croire à quelque chose, il doit d'abord voir. S'il ne voit pas, il ne peut pas croire. Il dit, je dois d'abord voir avant de croire. Or, lorsque nous parlons de la foi, selon la définition, quelque chose qu'on espère, celle qu'on ne voit pas. La foi incrédule va dire, même si nous tous nous disons Jésus est vivant, quelqu'un va se le dire, mais il n'est pas vivant, il ne peut pas agir. Alléluia. Et lorsque nous entrons dans le Nouveau Testament, la Bible m'apprend que Jésus était avec 12 disciples. Ces disciples-là, comme la Bible dit, la foi vient de ceux qui attendent la parole de Christ. Ses disciples apprenaient et attendaient la parole de Christ. Ils étaient avec Christ, formés par Christ pendant 3 ans. Et parmi les formations, ils ont entendu aussi des promesses. Que Jésus disait, un jour je dois mourir. Et lorsque je vais mourir, viendra la résurrection. Mais la Bible dit, après sa mort, parmi ses disciples, il croyait en Jésus. Il appelait aussi maître. Il disait aussi rabbi. Mais son problème, sa foi, il avait la foi en Jésus, mais il était aussi quelque part incrédule. Il avait la foi incrédule. Alléluia. Amen. Et la Bible m'apprend, lorsque Jésus était mort, et Jésus apparaissait parmi les disciples, et lorsque chaque fois que Jésus apparaissait, lui, il était absent. Il n'était pas là. Et quand il venait, parmi lui, il était seul. Parmi les restes, tout le monde disait,
on a vu Jésus, notre maître, est ressuscité. Mais lorsque lui, il était là, quand il venait, il dit, mais c'est pas vrai, je ne crois pas. Je vais seulement croire le moment où je vais toucher ses plaies. Je vais seulement croire le moment où je vais toucher là, sa côte. Et à ce moment-là, je vais croire. Cela veut dire, peuple de Dieu, la foi incrédule. Quelqu'un qui dit seulement Jésus, le nom de Jésus, sans pourtant chercher à expérimenter, peut être incrédule dans sa foi. Quelqu'un qui croit à l'église, qui croit en Dieu, il est capable de ramener vivant ce qui était mort. Mais celui-là aussi, qui est capable aussi de dire que cela ne peut pas arriver. La foi peut être incrédule. Tu crois quelque part, mais quelque part tu as des limites. Mais la Bible me dit, rien n'est impossible à notre Dieu. La Bible me dit, notre Dieu est capable de faire au-delà de tes pensées. C'est là qu'un homme qui a la foi, qui n'est pas incrédule, doit croire en Dieu sans limite. Dieu te parle aujourd'hui pour que ta foi, notre foi dans cette église soit une foi en action. Il y a une différence entre une foi de parler et de lire la Bible et une foi en action. Une foi en action, lorsque tu parles, il est capable de donner la vie, il est capable de le faire. Lorsque tu dis, il est capable de donner la vie à celui qui est mort, tu diras qu'il est capable de donner la vie. Alléluia. Et la Bible apprend que lorsque Lazare était mort, Jésus était venu. Marthe disait à Jésus, si tu étais là, ton ami ne pouvait pas mourir. Jésus lui a dit, Lazare va résister. Marthe a reconnu, il dit, oui maître, il va résister, mais au dernier jour. Une foi incrédule peut croire certaines choses, mais certaines choses ne peut pas croire. C'est-à-dire, une foi qui est branchée à Dieu doit croire à tout prix que l'Éternel est capable de faire des choses au-delà de mes pensées. Même ce que je ne peux pas le faire, même ce que nous ne pouvons pas accomplir, lui, il peut le faire. Lui, il peut agir. La foi ne peut pas être incrédule. Alléluia. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Lorsque Jésus parlait à Marthe, il ne disait pas au temps à venir. Mais à ce moment-là précis, il disait que Lazare n'est pas mort, il dort. C'est-à-dire, celui qui a une foi positive voit des choses différemment par rapport aux gens qui ont une foi incrédule. Je peux appeler la maladie la guérison. Je peux appeler la pauvreté l'élévation. Je peux appeler la malédiction le salut. Je peux appeler certaines choses la victoire. Oh, les situations que tu traverses, par ma foi, étant donné que je ne suis pas incrédule, tu ne seras pas le même. Dieu va t'élever. Je crois à la puissance de Dieu. C'est pour cela que ma foi n'est pas incrédule. Ce que les gens déclarent impossible, je sais qu'avec mon Dieu, cela va devenir possible. Ce que tu ne peux pas réaliser, l'Éternel va le faire, va l'accomplir. L'Éternel n'a pas besoin de toi, il a besoin de toi juste de croire pour qu'il accomplisse les choses qu'il veut réagir. La foi incrédule, il marche avec les médecins. Une femme dont on a coupé les trompes, il disait qu'il ne peut pas accoucher. Mais celui qui a une foi positive, qui n'est pas incrédule, il dira avec Dieu c'est possible. Une foi incrédule met toujours des limites. On m'a dit, ici ça ne se fait pas, ça ne peut pas arriver, ça ne peut pas s'accomplir. Mais seul quelqu'un qui a une foi positive dira, cela va être possible. Non pas par rapport à moi, mais au nom puissant de Jésus-Christ. Église de Dieu, nous ne devons pas avoir la foi incrédule dans cette église. La foi qui dit, touche d'abord, je vais d'abord voir avant de croire. La Bible dit, Jésus a dit à un Thomas un mot. Il a dit, erré celui qui n'a pas vu qui a crié. Pour que tu ne sois pas dans la foi incrédule, commencez déjà à croire avant de voir. La foi incrédule peut commencer en action, ne va pas terminer par l'action.
Et ça n'a pas ou bien biki na malaria le loco dimane matika kapiki shurwana lobby ezongi na zéro parce que c'est la foi incrédule. On a prié pour moi mais malgré ça na melata novaljini po nandimite ke na kobika. La foi incrédule quand même si on prie pour toi, on peut prier pour toi, tu ne seras pas guéri. Tala muta kondi mamona naka muta kondi mamona naka ezana batu babwaka ba beki bat abongina note mandimi déjà pesi manango li pambo lezo landaye azondi ma déjà que si na tambole azondi ma que déjà si malade zo tikangai eza conviction zo banana fort positif la foi incrédule lobi que non okolanda kombo ya mutu me kombo ya Yesu te parce que loba parce que ya biki se kana landaye parce que ya sala kabona landaye mutu azondi ma Yesu amona ka mutu te mais il voit d'abord Jésus lui-même, il dit avec lui il est capable de faire. Même si on dit c'est fini, je crois qu'avec lui les choses vont changer. Je crois avec lui il va restaurer. Il va ramener de nouvelles choses. Ma foi ne peut pas être incrédule. Jésus a dit à Thomas, touche mes plaies, touche ma peau, touche mes plaies. Voilà là où j'ai eu des épines. Mais écoutez mon peuple de Dieu, ma foi est positive. Ma foi n'est pas incrédule. Je n'ai pas besoin de voir Jésus face à face pour croire. Je crois parce que je sais il a vaincu la mort. Je crois parce que je sais il est ressuscité des morts. Je crois parce que je sais il a marché sur l'eau. Je crois parce qu'il a dit à Lazare, sors. Et Lazare est sorti. Ma foi n'a pas de limite. Ma foi n'a pas de barrière. Je crois à un Dieu de l'impossible. La foi incrédule va te dire, vous priez, mais les choses que je vois là, ce n'est pas correct. C'est la foi incrédule. Est-ce que Nzamba ko salatina niveau wana? Mokilia salango na liloba. Cela veut dire que ton problème n'est pas plus fort que ton Dieu. La Bible dit que la terre n'avait pas de forme. Il a dit que la lumière soit. Aujourd'hui aussi, je te parle par la foi. Enlève l'incrédulité pour que la parole de l'Éternel soit installée dans votre vie. Enlève l'incrédulité pour que la parole de Dieu, les miracles de Dieu s'opèrent dans cette assemblée. Enlève l'incrédulité pour que Dieu opère ce qu'il a préparé pour ta vie. Alléluia. La parole de Dieu est capable de faire des choses. C'est à moi, je n'ai pas besoin de voir. Il y a même des gens, des serviteurs, ils disent qu'ils sortent, ils disent, moi j'ai vu Jésus face à face. Ça ne va rien changer de ta vie. Et ça, un jour, Dieu nous a pris, un homme a pris un risque. Il y a un corps, il y a un sa couvée. Mais il dit que celui-ci est mon Messie. Ce que Babi Messie n'a pas couvé, n'a zoyé. Comme on est qu'il y a un peu de temps, il 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 et place aux aïe qu'on change de temps, il y a ta foi ne soit pas seulement incrédule, en mettant des limites à Dieu. Awa na mon eko simbate, na mon na soukiawa. Mais Dieu mettra un chemin nouveau. Il t'a appris la semaine passée. Un chemin déjà tracé. Comment tu peux vivre cette chemin si tu as le foi incrédule? Voyez bien, moi j'ai pris parce que tu banda ko banda bo moana. Ko banda prière banda bo moana n'équivaut pas à ta foi. Parce que Jésus, des disciples qui disaient augmente-nous la foi. J'aime toujours vous expliquer, Jésus n'est pas né dans un pays païen. Mais la Bible me dit, lorsqu'il a commencé à prêcher, son premier message était « Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Pourquoi? S'il n'y a pas l'incrédulité, si la foi n'est pas incrédule, il dit « Oh, Messie, est-ce que c'est vrai, c'est le Messie ?» Même la Bible me dit, même Jean-Baptiste a eu des doutes, et a eu des doutes. Sa foi a créé des choses. Sa foi a créé des limites. Il était incrédule quelque part. Il a envoyé à ses disciples. Il dit, va voir cet homme. Va aller à la rencontre de cet homme. Pose-lui la question. Moi, je ne peux pas aller. Vous êtes mes disciples. Pose-lui la question si c'est lui réellement le Messie. La foi incrédule peut te faire poser des questions. Nous avons parlé de l'église que nous avons menée. Est-ce que nous avons salé la foi? C'est la foi incrédule. La foi incrédule peut mettre des barrières par rapport à l'accomplissement de ce que Dieu veut réaliser devant ta vie. La Bible me dit une chose.
il y avait une femme qui s'est rencontrée avec un ange. Écoutez-moi bien, peuple de Dieu. Le message que l'ange lui a apporté, ce n'était pas un message facile. Des femmes sont ici. On te dit, et salamate na mukili. Mais l'ange te dit, tu seras enceinte. Je te salue Marie, pleine de grâce, car le Seigneur est avec toi. Mais l'annonce de l'ange, ce n'était pas quelque chose qu'elle a entendu quelque part. Tu seras enceinte. Mais elle s'est étonnée, elle dit, comment je peux être enceinte, moi qui n'ai pas connu d'homme? Mais l'ange lui a dit, l'Esprit de Dieu sera avec toi. Celui qui ne marche pas avec l'Esprit de Dieu en lui peut avoir la foi incrédule. Et ça, la manandengenini. Et kobananengenini. Laisse-moi te dire, ton Dieu est capable. Mais la Bible me dit, Marie s'est dit une chose à l'ange. Qui me soit faite selon la volonté de Dieu. Une foi qui n'est pas incrédule ne met pas de limites. Makambo nazo mon ezala la limite pour nzambe mutazo sala yango. Ce que zala ki mutanga sala ko kuzala la ba limite. Nzambe no zala kana limite te. Ezo tala soki kuta na mobali na mundele to na mukanda te. Makoki ya nzamba zala kafada ko sala de la ba penser na yo. Ozo kanisa yango te ko salama. Yo problème le zandi makaka. Muta ko tiaze meza yote. Zemi ozo me meza zemi popo ta mwana te. Zemi ozo me meza zemi ya lipambo li eglise oyo. Zemi ozo me meza zemi oyo ko tombo l'eglise oyo. Banda kondima zemikota awa nazana foi incrédulité nazon di manzamba zana makoki ezanga formule mazana makoki ya kosala ezanga possibilité zana makoki ya kosala. Je peux pas être avec Dieu et avoir la foi incrédule. On a simba nanu. Marie pouvait dire, je vais d'abord voir ce Dieu là. Est-ce qu'il est comment? Il t'a envoyé ici. Moi je te vois l'ange, mais moi je n'ai jamais vu Dieu. Mais Marie a compris une chose. Je ne peux pas avoir l'incrédulité face à mon Dieu. Je crois seulement. Na zone di makaka. Na zone di makaka. Zemi wale kote lawa. Et moni batmusute moniyo. La parole de Dieu ne peut pas tomber partout. Si ça tombe pour toi, parce que Dieu a quelque chose pour toi. Alléluia. Et zo mona yo ponza mazan le kamba vina yo. N'aimez pas la foi incrédule. Oh, fona mona na passer mukola ko seku sa mukufi ndena kondima. Nazana posa na mona makambo wana te. Je crois que mon Dieu est capable. Oh, je prie là-bas, mais tu vois, rien ne se fait, rien ne se passe. Crois, ayez seulement la foi. Dieu est capable de faire au-delà. Mutako telem sa la Bible logo de sala mine église la bino. Kobanga te, kolukana nuto mono simba, kolukana nuto yoka, bandaka kondima, naza incrédulité, azana makoke akosala. Un jour viendra, moi kotelema, na lilebe ko te pa na yo, à cause ya kondima. Alléluia. À cause de la foi. La foi incrédule se fait poser des questions. L'emsofa nanda kumwalo bena mutezate. Église angope. Togo suka api naba moyo. Kana moni na kende kaka tena vanda kaka. Na kende asope na kete ba obenga ngai. Na kende kaka. Na sande ni. Ah, sope na lembi nanga na longo nanga ba olandanga. Na kende kaka. La foi incrédule peut être une barrière pour de grandes choses devant ta vie. La Bible dit, Jésus à sa venue, il avait ni éclat et ni sa beauté. Ce qu'on a mis ta connexion, tout ce qu'on a disciple à Jésus. Un jour, Dieu nous a appris ici. Il a atteint le nombre de 70 disciples. Bangonyo soba kenda. Parce que le loko bazoluka ba mona, bazoluka kaka ba fina fina. Mais Pierre a compris en disant, nous, on a trouvé la parole de la vie. Toi qui es la parole de la vie. Celui qui sait que la parole de Christ lui amène la foi ne peut pas lâcher Jésus.
Parce que la parole de Dieu t'augmente la foi. Et ça, tu as dit que 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 tu as dit à l'époque de Jésus, il y avait aussi des temples et des synagogues. Mais lorsque Jésus était parti, il a parlé de la vérité de la parole dans un temple, dans une synagogue. On lui a failli lapider. Alléluia. Il parlait de l'accomplissement de la prophétie d'Ésaïe. Il dit, Makambo yobaloba, pas le prophète Ésaïe, yango yokukisami. Yango yo bozo mona batu balobi te la foi incrédule ekozala yote yote yibi au fils de Joseph yote yibi au fils de charpentier toko bambo mabanga tozo boma yo lelo. La Bible dit des gens qui étaient au synagogue, ils ont pris des pierres parce qu'ils avaient la foi en Dieu, mais ils étaient incrédules. La foi incrédule peut empêcher même de toucher ta bénédiction. Et que tant que l'on a monté, mais que l'on a battu, mais qu'on a tourné. Et qu'on a tourné. Nga penda, te nga na mouni na soukiao. Nga penda, attendons ensemble la nzambe. Tika na la, nga gale l'opo na mouni gosimba soutien na nzambe. La foi devient incrédule. Cela ne veut pas dire que tu ne crois pas en Dieu, mais la foi. La Bible dit ceci. Sans la foi, il est impossible de plaire à Jean-Félix. C'est ce que dit la Bible. T'as là, la foi incrédule est qu'on se plaît sans embêter. Ce qui dit Thomas, il y a un peu de Yesu abimate pour Thomas Simba ba pota na ye. Ma bima pour profiter à te yanga na yo. Erre, celui qui n'a pas vu qui a crié. T'as là, nazo mona te menazon di manzamba zana makoki ako sala. Na moni mbula ngo place ko bandela te place ko beta te menazo sala boatu poza maloba ya nzambe. Na yebimoni suka ya mukili place salamite menazo ndi make mukili ko Dieu va mettre fin à cette monde. Na zomo na makambote na dimension ona za na posa ya vision na ngote. Menazo yeba ke aloba liloba fo ko kisama. Na zomo na nege ya batu te nege batu bazo tambola menazo ndi manzambe wana. La Bible me dit à l'époque de Noé, déjà mariés et mariés leur fille. Écoutez-moi, peuple de Dieu. La Bible dit que Dieu a choisi un peuple. Dieu opéré dans l'Israël. Si vous aimez la parole, vous allez voir l'une des plus grandes incrédulités devant Dieu, c'était en Israël. Bananzambe, makamanzambe, koma nango digi digi. Teya bisokaka, tolobi amen, mais kondima et alibisote. Dieu te parle. Parce qu'il veut que tu puisses lui plaire. Tu ne vas pas plaire à un homme, mais la foi prouve que tu es un bon disciple. La foi sans l'incrédulité démontre que tu crois à un Dieu dans un niveau illimité. Le rubaya poko alelo egumante kondima mutu moko alléluia. Laisse-moi te dire, une foi peut commencer en action et s'arrêter. Cela veut dire quoi? Il y a des gens qui commencent vite avec la foi. Ils commencent avec une foi en action. Au monier benami kolobi lelo et kope la moto, lelo et koyinda. Dans la foi, dans la prière, dans la chaleur de l'esprit. Mais à un moment donné, lorsqu'il avance un peu, il commence à regarder, il commence à voir comment je vais faire avec mes papiers, comment je vais faire pour mon avenir, comment je vais faire pour avancer, comment je peux faire pour progresser. Il commence à abandonner, à lâcher la direction de Dieu. Alléluia. La Bible me dit, un jour des disciples étaient dans une barque. Il y avait un peu de brume matinale. Et à un moment donné, ils ont bien regardé dans l'eau, il y avait quelqu'un qui marchait dans l'eau. Alléluia. Il dit, mais il y a quelqu'un qui marche dans l'eau. Il commençait à crier, il dit c'est un fantôme, c'est un fantôme, celui-là qui marche c'est un fantôme. Et la Bible me dit, Jésus les a rassurés. Dis que je suis rassuré. Dis Jésus m'a rassuré.
Peuple de Dieu, Jésus les a rassurés. Qu'est-ce que cela veut dire? L'église aujourd'hui, tout devient au fétiche, tout devient à Sibakissi. Le passé d'aujourd'hui, peuple de Dieu, si le fétiche existe, mon Dieu est plus puissant que le fétiche. Si tu as des doutes dans la foi, pose la question et il va te rassurer. Pierre a dit, maître, si c'est toi, maître, ce que ça peut nous dire, ordonne que je vienne vers toi. Alléluia. Nzamba senga nzamba tangusona ba place au kokakate. Loba Yesu Masia. Soko za nzambo yo sekwa. E siko na koti na botau, na koti na bolembu. Pesanga mitindo na ya epai na yo. Alléluia. Laisse-moi t'expliquer. Ils étaient 12 dans la barque. Mais il y a un seul homme qui a osé dire amen à Jésus. Après avoir été rassuré, tout le monde disait, c'est bien Jésus. Esaïe, Yazakanzambete, lui c'est le fils de Dieu. Lui, Oyoka Sangote, abotamana mobalité. Biso mususo, tobotamana tatana mama. Makambo Esaïe, Esaïe bisote. Bafandi na barque, il regardait l'histoire. Mais Pierre s'est dit une chose. Il dit, si c'est toi, ordonne que je viens vers toi. Il ne faut pas être incrédule. Cela veut dire, tu vois quelque chose. On dit que, oh, Zambé, kako salango. Mouta oba lo salango ndegenini. Zamba zo salapena vina yo. Yo banda koloba ordonné. Pesanga mitinu na ya place aux ali. Nazo longo l'incrédulité pour ma kambo échanger. Loko lozana ma coquille ako salango et salama pepa nangaye. Soko salaki na vie à pied, banda pe ko sala na vie nangaye. Nazo longo l'incrédulité pour opérer quelque chose dans ma vie. Alléluia. L'église en Zambé Zamba accomplir ma kamaminene. Bandako lubandako ose kotuna e question. Kotika na bar ki to bano talaka scénario ko mena tinini. Ce qui est azo sala miracle, miracle na posa i kondimane mata. Ce qui azo sala miracle pour tel mission na barque. Ce qui azo sala miracle pour prouver kazana bon moy. Ce qui azo sala quelque chose pour l'axe ka sala ka toujours. Ne mets pas l'incrédulité. Dis, pose-lui la question. Si c'est toi, ordonne. Jésus a dit à Pierre. Oui, Pierre. C'est bien moi. Viens vers moi. Alléluia. Amen. La foi en action a opéré. Cet homme, parmi les 12 personnes, il était le seul à se lever. Alléluia. Nazo ba nzamba telemi sa vie na yo. Nzamba telemi son prière. Nzamba telemi son ko lukaye. On ne l'embata jamais pour les autres la motute, mais autant la Yesu. Ce qui est à la licolo, ce monde la licolo. Ozoro bake nazo bonde la apoko benga na koroba sala na koma lola. Sala makamunange changé. Pierre voyait Jésus. Il ne regardait pas les autres. Il a osé sortir dans la barque. Nalobi autant zo osé. Ce qui a longoli incrédulité na foi na ye. Makambwa sikezo banda libosa vina yo. Makenzele sikezo fongoma libosa vina yo. Elevation zo banda parce que tu as osé. Nabimana barque ngai. Nabimana barque na kondima. Poza liloba ya mutute, meza liloba ya Yesu. Eza liloba ya mutute, meza liloba ya Nzambe. Na longola incrédulité. O bisoto yeba ka Nzambe te. Bisoto ndimaka Nzambe na kombo, me makamba ndima soto oke na ngote. Nazolo basoko zo ndima. Nzamba zo memona makamba minene. Nzamba zo memona ba dimaso impossible. A cause ya foi na yo. Alléluia. À cause de la foi na yo, nzamba memona makama minene. Kota la batu mususu te, soki ba mususu ba bito vanda na biso kaka. Église ezalaka na ngo kaka, toke na biso, to vandi na biso, to bini na biso, to zongi na biso. Lokola Yesu ngo pe to moni ete, tikaka kada tiala nga incrédulité. Est-ce que pasteur Mikolo makam to zomo na kuna, asimbi kisite, omoni montre latite, omoni baka latite, omoni chenette latite. Laisse-moi te dire, ne reste pas dans cette position, ne sois pas incrédule. Sors dans cette barque pour vivre ton miracle. Laisse-moi te dire, ne reste pas là. Bima na barque wana. Pierre a compris. Il dit, maître, il a dit, à ta parole, je sortirai dans cette barque. À ta parole,
je marcherai sur l'eau. À ta parole, je marcherai sur l'impossible. Ce qui m'occupe le baiser impossible, ngai na mongo na kokate na longoli incrédulité. Muta tambo la likola maite, moi na muta tambo la likola maite. Lokola nzambe nga tambo laka, nga pe na zo tambo la. Yope ozo tambo la. Yope ozo tambo la. Yope ozo tambo la. Mais ne reste pas là dans l'incrédulité. Tala yuzo landaye, yazo bengayo, yazanzambete. Peuple de Dieu, la foi incrédule. Comme on dit, Makambouane, ça la maga pour nos pasteurs. T'es un membre pasteur. Nous avons appris ici. La Bible dit même tous ceux qui l'ont réussi à ceux qui croient à son nom, elle, c'est Dieu, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Kondimano est commis au moins un zame. Kondimano est commis au citoyen Lola. Au commun, Makambouane, il m'a dit Batamokili. Pierre ayebaka maloba Yesu bakasi nango yango tunaki abiso ki loba li loba. Alléluia. Tala église oza na posa li loba ya kondima. Elongo l'incrédulité. Eloba ke tozo sala makambo. Tala makambo to sala déjà na église oyo. Ata ke non muta monité. Biso na kondimande salisa ka biso yango. Ata yo zo mona moke oyebi ke nzamba ko komiso munene. Ata yo zo mona lokote nzamba ko komiso munene. Tango na tala ko na banga ka munene na nzambe na yo. Tango na mona ko na ndima ka nzambe no za makasi. Na loba ke nzambe no za na makoki ya ko sala. Na loba ke nzambe no za na makoki ya ko changer quelque chose. Tala banda ko oser ko bima na barque. Sortir c'est une autre chose. Et la Bible dit Pierre commençait déjà à marcher. Alléluia. Mais la Bible dit, le vent soufflait de gauche à droite. A komi komi lobela. Nga pe na wele liko bima bondege nini. Na bandagi maloba po ya lobi pe na landi. Et la Bible dit, il commençait à couler. Il a dit, maître, maître, sauve-moi. Loboko a Yesu ebi miso place incrédulité bando kota na vie na yo. Loboko a Yesu ebi miso place incrédulité bando kota na vie église oyo. Toko kota na incrédulité po tozon di mamutute tozon di manen zambe. Soki yazana makoki ya kosala mutako peki sa accomplissement na we kokisama na vie na yo te. Makambo ya cheli bosa vino mutazana nguya ko peki sango te. Soko moni mi pepe eba niko souffle na vie na yo. Banda ko benga Yesu ngangai. Laisse moi te dire mi pepe. Ezana batu so mutu moko wazan so akutana batu batu na ekaka bino kuna ndeye nini boko mi kombie bino kuna ndeye nini bobi mamu ko nini bino kuna ndeye nini makamune salami kuna. Laisse moi te dire, ça peut semer l'incrédulité dans ta foi. Loba na ye Yesu aza maître ya tempe ya circonstance. N'attend convenable élévation koya. Parce que Bible le bilan ma commis le bilan l'élévation ne vient ni d'Orient ni d'Occident, mais ça vient de l'Éternel. Mais pepe wana eba no dindi sauté. Yo banda ko tambola ka toujours le kola impossible. Nazoro ba makambo za ko kokate nzamba sala ko kokayango. Foi na yo incrédulité longo po makambo changer. Libanga o ezala ki liboso ya résurrection ndi makai longwa. Parce que Yesu aza na bomo. Alléluia. Alléluia. Lisons la parole de Dieu dans Galates. Galates chapitre 5, verset 6. Je lis la parole du Seigneur. En effet, en Jésus-Christ, ce qui a de l'importance, c'est ni de la circoncision, ni de l'incirconcision, mais seulement de la foi qui agit à travers l'amour. Alléluia. Oh biso do katamangengate, oh biso kuna to sotaka na drapo, oh biso kuna to kotaka sumare. En Jésus, ce n'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est la foi pour ceux qui ont l'amour. Tala kondima e changé histoire à vie na yo. Omoni biso to lataka pembe pembe, est-ce que bino pour lataka pembe pembe? Ce n'est pas ce qui compte. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. Nazolo ba vie a moto moko esepeli sa nzambe. Makambu ya ko kata ngenge. Po zana makambu suba teleme na ona religion e chanze lo kote na kondima ya batu. E lona encore plus d'incrédulité. Obiso vato sambe la to sokola lo kolomoko. Obiso na vato sambe la to kota kato sala kaboy. Ça change rien si tu n'as pas la foi. Église de Dieu.
Kondima, cela veut dire démonstration de choses qu'on espère, celles qu'on ne voit pas. Makambo ozomona te nzambaza na makoki ya salango. Makambo ozomona te nzambaza na makoki ya kokisa yango. Soko bota maka uzalaka bebe nzamba komisa mukolo posiko nzambe alingaki. Loko la nzamba zo faire comprendre o makamboyo. Yeba ngoba seremoni ya pampam eza na musala te. Zala na kondima po sepelisa nzambe. Po nzamba kotala mwana nzamba tala yabi. Eh, oye pena, osengi prier. Eza na batu, asengi nzambe prier. Ube bondeli pona ye. Ye mwazoro bapena, eh, pasteur nenga gangi wana eske makamangi o salam. Natamboli na 25 médecins. L'incrédulité. Laisse-moi te dire. Des enfants de Dieu aujourd'hui, quand ils voient même les pasteurs, quand ils commencent à dire son problème, à Bandi, tangazaraga na village, à Longwe na village, tangazaraga na Angola, même problème. À Longwe na Angola, au moment tangazaraga na Londres, même problème. Quand j'étais en Allemagne, même problème. Où y a des médecins tels on a monaka, papa, asa médecin makasi, a meka simbati. Yoka place incrédulité na kondima. Après, au moment où y a des apôtres Ozakana sembia a bonde la ponanga e simbate bo omoni apotro azala kut na netazini kuna ye moko penda tokutane face à face a bonde la ponanga e simbate papa après sukisi pasteur bonde la ponanga na mama ondimi ozobika oui na ndimi na obika la foi incrédule. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Nzambazo kama manengwa loba na yena kondima bonde la ponanga na bika. Arrêtez avec des histoires là d'incrédulité. Oyebi kutwa musala nzambo ya ngola makasi wana. Oya c'est que ça bibembe 20, ça sert à rien devant Jésus. Et la foi face à ton problème, il dira un mot, des choses vont s'accomplir. Ça ne sert à rien, peuple de Dieu. Il y a quelqu'un qui m'appelle au téléphone. Allô, pasteur. Allô. Ma français bandi. C'est bien. Aussi, ici, il y a un dictionnaire. Nous avons posé une histoire. Nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit Kondimano est opéré sikoyo. Dieu n'a pas besoin de la foi que tu avais au Congo. Mais Dieu a besoin de la foi en action ici en France. Kondimano est bandako opéré sikoyo. Olo baké nazo tika boatoyo. Batoum souso wazo bima tenga nazo bima. Laisse-moi te dire, quand Jésus sauvait des gens ou guérissait des gens, il y avait déjà mal tellement, il y avait toujours la foule. Alléluia. Mais parmi cette foule-là, il y avait seulement certaines personnes qui étaient sauvées. Nzamba kotso na distinction ya bato bakozwa libération. Nzamba kotso na distinction bato bazon di make foi na bango kozala jamais bloqué. Nzamba longo l'incrédulité kat non di make nzamba za na makoki. Tala monene ya mokili. Luka monene ya nzambe ko luka ngona makambote. Malobaka ka tala moi ndenge zalaka. Tala sanza ndenge zalaka. Alobaka ka liloba. Nazoloba il dit un mot et les choses arrivent. Il dit un mot et les choses accomplies. C'est ça que le Dieu que je te prêche. Il a besoin de la foi. Lui, il dira un mot. Que la lumière soit dans ta vie. La lumière va éclairer. Il dira un mot dans cette église. Que de nouvelles choses commencent. Cela va arriver. Dieu n'a pas besoin d'une foi incrédule. Mais Dieu a besoin plutôt des personnes, des hommes et des femmes de foi. Kondima ya vie na yo échange histoire. Nzamba pambola lobanae.